Partons maintenant sur l'étape, la dernière étape, troisième règle de l'équilibre financier, qui est calcul de la trésorerie nette. La dette. Mathématiquement et de manière logique, il faut que pour être l'objectif, pour être en bon équilibre financier, il faut que l'ATN soit positif, c'est-à-dire supérieur à zéro. Alors, d'après vous, si je veux tester votre compréhension, relier entre ces deux grandeurs d'équilibre financier, l'ATN égale à quoi? Égale ATN égale à quoi? Au fonds de roulement net global, général, moins le besoin de fonds de roulement, qui doit être supérieur à zéro. C'est-à-dire le fonds de roulement net global soit positif supérieur au besoin